Non, mais fais. Le Oui, problème, c'est qu'il tu. y a beaucoup de voisins qui ne sont pas comme nous. Nous, on sait que. Ouais. Nous, on sait que on a toujours. On a encore. J'ai dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le béret? Hé, attention! On leur dit que tu es fort, mais que leur Ouais. entourage, juste leur entourage, pas besoin Oui, même ouais. qu'ils soient les gens extérieurs, juste leur entourage dit que tu es fort, tu es fort, tu es fort. On pense trop qu'ils sont trop là. Mais en vrai, nous on sait, nous on a les pieds sur terre, on a la tête sur les C'est épaules. ça. On peut faire ça. On a encore Takumi. À chaque fois que tu veux lancer un challenge, tu vas encore vérifier si Takumi n'a pas lancé un challenge. C'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Les vrais baissants ce soir. Les vrais baissants ce soir. Mais les gars, est-ce que vous Non avez mais, cru? non Ce qui fait mais. mal là, c'est quand tu lances ton challenge et puis quelqu'un d'autre lance un challenge Ah. aussi. Et puis le challenge, la personne prend comme ça et puis on oublie ton challenge. Eh bien, en vrai, en vrai, en vrai, entre artistes là, vous vous lancez les gens, l'autre il balance un bail, l'autre se dit, est-ce que je vais attendre, bas les couilles, je balance pour moi aussi, Oh. paf, et puis Écoute, voilà quoi, écoute ça bien. devient guerre. Il y a un projet que tu as fait depuis 3 mois, 4 mois, même disons 5 mois. Tu viens, tu arranges le projet. Maintenant, tu sais que le projet est bon. Tu es sûr du projet. Tu dois lancer un challenge. Tu lances le challenge. Et puis quand tu finis de lancer le challenge maintenant, c'est-à-dire que c'est même pas un son qui vient prendre l'otage TikTok. Hein. C'est une rêve. Une rêve vient prendre l'otage TikTok, on oublie ton son. C'est genre. Juste, peut-être. C'est pas rivalité, c'est. Ouais, exactement. On n'oublie pas, tu sors ton son. Ton son, tu sais que ça doit marcher. Tu fais un challenge. On oublie ton son, on passe ça. C'est pas rivalité, c'est. Ou bien on fait Riva pense que j'ai les bah, c'est ça. Ah oui, c'est ouf. C'est ouf. Ça va aller. Mais en Axel. vrai, en vrai, en vrai, en Ouais. vrai, en vrai, moi je me dis, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, TikTok est devenu un réseau social incontournable. On ne peut pas se passer de ça en fait. Musicalement. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une autre possibilité de pouvoir diversifier, peut-être, je sais pas trop quoi. Parce que en vrai, il y a un truc qui se passe que généralement. Beaucoup ne pensent pas trop à ça, même si après, quand ça marche sur TikTok, ça booste nécessairement les vues, les gens vont chercher le son et tout. Mais le souci, c'est que on se conforme plus sur une partie, en fait. Et c'est problématique, tu vois. Quand par exemple, sur scène et tout, tu te rends compte que l'artiste, il envoie, il envoie, il envoie, il envoie, et puis peut-être c'est à l'entame du refrain et tout. Vous voyez? Et je Ouais. donne l'exemple palpable sur mon propre son avec First King. Franchement, au début, les gens connaissaient pas le refrain. Pourtant, c'était le refrain qui était lancé. C'est le couplet de First King qui a révélé ce morceau, en fait. Vous voyez un peu? Donc, sur scène et tout, quand le son vient, commence chaud, 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 dès que la partie de First arrive en même temps, tout le monde est réveillé. C'est Un peu, non? ça. Je me demande, tu vois un peu le truc, est-ce qu'il faut lancer tout le son Même sur chose pour moi, TikTok c'était ou comme ça pour permettre à moi ce que au tout le début. monde back? C'était comme ça pour moi au début. Compa, compa, compa. C'est là que les gens sont Voilà. allés. Voilà. Mais donc je me demande, parce que ce truc c'est réel et je pense que est-ce qu'il faut lancer tout le morceau par exemple ou lancer une Non. partie et après une semaine lancer une autre partie ou voilà quoi, Non, on moi j'ai esquive ça et compris. C'est pour tout. ça que je n'ai plus ce piège-là par rapport à mes sons. C'est pour ça que genre, la plupart de mes sons maintenant, je fais en sorte que les gens puissent les connaître, voilà, à la fin. Je les transfère directement sur YouTube à l'écouter. Je les mets après. C'est ça. Je les mets là.